Bon, alors, pour arrêter et démarrer mon réfrigérateur, il y a un bouton on-off. Donc, il faut rester appuyé 3 secondes. Hop, l'arrêt du frigo est visible ici. Donc, il s'éteint, il n'y a pas de problème. Pour l'allumer, hop, juste un appui suffit pour démarrer le réfrigérateur et le congélateur. Alors, en réglage, nous avons le réglage du congélateur. Donc, le petit symbole qu'il y a ici, c'est le congélateur. Donc, là, actuellement, il est à moins 18. Il y a la possibilité de le régler avec, hop, cette molette-là qui symbolise le congélateur qui est en bas. Donc, il y a des réglages qui vont de moins 24 degrés à moins 15 degrés. Donc là, dans l'idéal, moi, je le mets sur moins 18 degrés. Après, nous avons le réglage de la température du réfrigérateur. Donc le petit symbole en haut, ce qui signifie le réfrigérateur qui est en haut. Donc là, toujours pareil, la petite molette qui va de plus 8 à plus 2 degrés. L'avantage, c'est qu'on peut arrêter complètement le réfrigérateur sous off. Donc là, il s'éteint. Il n'y a que le congélateur qui marche. Donc, hop, on va le refaire. On va le remettre. Moi, je le règle sur plus 5. Parfait. Donc, à partir de là, on a réglé le réfrigérateur et le congélateur. Voilà, là, il n'y a aucun autre réglage sur le réfrigérateur.